Et on se retrouve dans Civilization 6 dans le monde merveilleux des tortues sur la map Archipel avec Cro-Magnon qui joue coupé les... Oula, j'ai oublié le peuple. Les Maoris. Bravo. Les Maoris. Oh. Et Linerian qui joue l'Indonésienne. Comment va-t-elle-vous tous les deux? Bonsoir. Bah super, ouais. Merci, bonsoir. Ouais, bonsoir. 18e épisode, ça y est, il faut que je dise des trucs sérieux. Et il faut que je passe le tour, mais voilà, Sinbad le marin m'a freiné, j'explore un bout de carte encore. Et je disais en off à Linerian que j'avais quoi, 60% de la map explorée de mon côté. Et toi, t'es même pas la moitié encore. Non, donc il y a du taf, il y a du taf, on va trouver des ressources. Ouh, mais j'ai un incendie par l'une des unités, il faut que je fasse gaffe. D'ailleurs, ça serait fandard si les espions pouvaient foutre le feu. Alors déjà qu'ils peuvent saboter des barrages. Ouais. Tu regardes un corsaire attaquer mon corsaire. Ouf. Bon, allez, je vais faire mon troisième puits de pétrole. Mais eux! En pensant à toi. Bon, tu peux en profiter, t'es que je viens de refuser l'alliance avec les Mayas. Le truc des Mayas, les fanatiques, c'est quoi déjà? Attends, faut que je vois un peu parce qu'il y en a plein. Tu prends un moins 10 de loyauté quand elle t'en déclenche un. Oh la vache. Et, où elle est collée. Ouais, donc elle en a au moins 20, c'est chaud quoi. Ah bah disons que si elle claque 10 charges, tu prends moins 100. Sachant que chacun a plusieurs charges. Hein. Ouais, donc c'est chaud du faire la guerre avec ces saloperies là. 2, 4, 6, 8. Au contraire. Parce que du coup, quand ils sont à côté de toi, tu peux les tuer. Quand tu leur as déclaré la guerre. Ah. Alors que si tu leur as pas déclaré la guerre, justement, tu peux rien leur faire. Bon, en avant. Manque d'armée, manque de tout. On va y réfléchir. Alors ici, j'ai refait du coup vite fait un canon de campagne pour défendre. J'ai peur qu'on ait le congrès mondial. Ah, dans deux tours, ça va. Je suis content, mais... Je ne savais pas, mais Sinbad peut récupérer les villages tribaux. D'accord. C'est cool. Et on va l'envoyer. On va l'envoyer là. 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 Excusez-moi, j'ai un rire démoniaque des fois. J'ai perdu mon corsaire, mais non. Mais si. Punaise. J'ai du pèse, est-ce que je peux acheter quelque chose? On rachète un corsaire. Hein. Écoutez, le tech, lui, il passe son tour.
Ah, il y a quand même un paquet de fanatiques à tuer. Hein. Faudrait pas les louper. Pas une artillerie digne de ce nom. Voilà, ça de l'hydroélectrique, c'est cool. Là, je vais encore faire deux puits de pétrole, mais. Mais t'as tout le pétrole du monde, toi. Bah, en fait, là, j'ai une ville où il y en a deux en mer. Là, j'en ai une où il y en a deux en mer, un sur terre. J'en ai un peu beaucoup, quoi. Là, j'en ai plus 9 par tour, et j'en aurai encore. C'est beaucoup, hein. Oui. Bien, je pourrais faire des unités. Ok. Ah si, j'ai du salpêtre, c'est le fer que j'avais pas. Oui, bah le fer, ça va, on a passé le cap, t'es heureux avec ton pétrole, hein, tu te noies dedans, tu te roules dessus. Ah, je me baigne dedans, ouais. Oh. Je me baigne dans le pétrole. Il fait du plastique. Et encore, si j'avais fait une ville là, j'en aurais encore deux de plus. Attends, il a plus que En gros, des. j'ai tout le pétrole, ouais. Ah. Est-ce que je suis fou? Ça. C'est une vraie question, c'est une question de rhétorique. Rhétorique. Ah, ok. Tac, tac, tac. Guerre de protectorat. Parce qu'il a attaqué une cité alliée, c'est bien ça. J'ai zéro grief, c'est vachement bien. En fait, t'as raison. Après, si tu veux du pétrole, il y a des îles près de chez moi, il y en a plein. Hein. Oui. Là, il y en a une, il y a trois ressources dispo. Il y a deux cases de terre, quoi. Écoute, j'ai très peu de troupes, mais je fais un pari avant que l'Espagne ramène tout ça. Mais comme ça me coûte pas de grief, on va se marrer un peu. Hein? Tu dis avant que l'Espagne ramène tout ça, tu réponds comme si tu pensais être la cible de ces attaques. C'est marrant. Ok, allez, les troupes, on se bouge. Oh, on va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme unité encore? Ça tombe, il veut juste aller péter la gueule à Dame Sissu lui aussi. Ouais, c'est faisable, mais ça m'étonne. Non, il est bien là-bas, lui. On va le laisser. Non! Oh, petite crotte. Allez, misclic de Sif, ça me tue des fois quand ça s'y met. Du coup, t'as vu, ça m'a pas déclaré la guerre. Bah oui. Nickel. Notre guerre est justifiée, c'est validé. Si on arrive à faire des dégâts. Est-ce que j'aurais pas quelques navires de guerre de disponibles? Ce serait sympa. Le vaisseau est en éruption encore une fois. Oh, mais attends, le marchand. Ouais. Donc le Vésuve. Le Vésuve. Quand Sif ne veut pas jouer de la caméra.
pas réussi à l'avoir, celui-là. Unité militaire disponible, cool. Et on va encore choper. On peut pas. Pas de mouvement insuffisant. Crotte. C'est pas terrible. Et maintenant, vous pouvez regarder le café. Pourquoi je m'attends au pire? Alors, le café. il est vers où? Le bas? Ouais. Il a le monopole, il les a tous. Oh. 8 sur 8. Si j'y vais. Oui! Allez, on peut raser un camp barbare. Mais alors le jeu il bug? Ah, puis t'as pas mis le truc où les barbares ils peuvent devenir des états. Non, on avait pas mis ça, on avait mis normal. C'est vrai. T'aurais préféré? Non, non. C'est intéressant, mais... Pas... Il me semblait qu'on l'avait mis. Bah non. Non, non. On avait parlé à la création de la partie, hein, on avait désactivé. C'est ça, plus de mémoire à votre âge. Ouais, c'est moche. Ah. J'avoue. C'est vrai que moi je me plains, j'aurai 40 ans dans 3 jours, mais l'inérien c'est dans pas tardant non plus. Hein. Ben c'est peu de temps après. Il y a des choses privées, ouais. Faut pas parler, faut rien dire. On brouffe. Alors, domination mondiale. En fait, j'aime bien l'étalement de Crow. Ouais, il reste quand même plus d'un quart de la map à explorer. Il y a du boulot. Terra incognita par là. On va essayer de trouver. Bon. Oh, mitrailleuses, ils sont en 3 armées regroupées là. En armée. Oh là là. Voilà, j'ajuste le micro, ce sera mieux. Un tech. Oui. Un colon. Balade. Oui. Il a vu un puits de pétrole. Je sais pas où tu vas, mais fais attention où tu vas. Ah oui, non, mais je vais là où il y a personne. C'est le but. Hein. Armada de destroyer et armada de... Oui, d'accord. Ça rigole plus. Bah, je vais te montrer ce qui se passe avec les fanatiques. T'es en guerre contre elle aussi? Bah, je suis pas en guerre, justement. Mais je vais utiliser mes fanatiques pour baisser sa loyauté. Ah oui, tu viens de faire popper là, ok. Ce que tu peux faire quand t'es pas en guerre. Et puis, dès qu'il partira en cité libre, et ben j'en profiterai pour lui piquer. D'accord. Mais non, je suis pas en guerre. Ça, c'est une unité quand même qui est un peu pénible, hein, ce qu'ils ont rajouté. Je suis pas sûr que ça soit bon gameplay, ça. Ah, les congrès mondial, pour bien se calmer. Mécénat. Pff.
Je vous laisse lire ça tranquillement. Et société de mercenaires. Voilà. À voter. À voter. Ah, il y a plein de trucs en dessous encore. C'est un sacré congrès mondial, là. Ouais, ouais. Moi, je vous propose de voter pour Coupé qui reçoit 2 points de victoire diplomatique. Hein. Non. J'en ai déjà 9, hein, vous pouvez m'en donner 2. Hein. Moi, je propose de voter pour lui enlever 2 points diplomatiques. Ouais, c'est mieux ça. On va voir, c'est voté. On se croirait en Russie ou aux États-Unis tellement il y a 2 trucs à cocher. Hein. Et du coup, je fais enfin du commerce avec l'Inarian. Bah non, Karakoto, c'est pas encore l'Inarian. Ça va venir. Ah, vous avez voté intelligemment. Hein. Ça va bientôt être l'Inarian. Oula, mais c'est que ça tape dur, là. Mon infanterie ligne a pris une claque, faut que je recule. Ah voilà, Coupé qui reçoit, ça c'est bien. Ça c'est bien. Écoute, je vois rien moi. Ça c'est gentil. C'est bien parce que je me suis mis 9 points, mais c'est gentil. Ah c'est très diplomatique. En fait. Ah oui, t'es Camon, il a voté pour lui. Hein. Un peu, hein, mon neveu. Ah ouais, bah tu vois, pas assez de points, c'est dommage. Hein. Moi j'ai voté pour toi, gros. On sent bien l'amitié latente. Mais il faut jamais prendre un fanboy de ton stream pour ouais, jouer ouais, avec moi. Ouais, t'as choisi pour que j'ai pas de points, ouais, surtout. Ah ouais, mais j'ai voté pour toi. Ah ouais, salaud. J'ai pas dit dans quel sens, mais j'ai voté pour toi. T'es un salaud, c'est tout ce que t'es. Je savais. T'es un arnaqueur déjà, t'as essayé de dépouiller tes camons. Tu devrais avoir honte. J'ai pas essayé, je l'ai fait. Encore 6 tours, hein, mine de rien. Tours pour le moment. Ah la tech qui est le seul qui est contre l'exposition universelle, bravo. Oui, ouf. Ouais, il est contre le progrès, cet homme-là. Contre tout. Allez, on reprend sérieusement notre bière. Alors, on a des bonus sur les unités. Parfait. Bien. Bon, la petite guerre se passe bien, mais est-ce que j'ai les moyens de suivre derrière Point de victoire diplomatique. Défaite majeure, donc c'est pas trop ça pour l'instant. Ouais, et ça commence à en faire un peu trop quand même, 13 sur 20. Ah, je suis à 13 sur 20, les gars hein. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. On sent bien. Hein. Débarquement, allez!
parfait. Et on revient à ça. Où est-ce que j'ai fait ça, voilà. 822 pièces d'or par tour, je crois que j'ai jamais fait autant. Bah écoute, hein, et pourtant je joue pas le Portugal. Hein. En même temps, je fais beaucoup de commerce avec toi, Cro, hein, quasiment tout. Ah bah vas-y, fais du commerce, ça me plaît. Ah bah tiens, 849. Même. Je vais cramer un peu. Allez, 860. Je peux encore acheter, là. Oh. C'est trop, là, c'est trop, là. Université, 500 pièces d'or, allez, je m'en fous. Allez. Voilà. Il faut que je revoie tout carrément. Là, si on est OK. Des villes. Je peux refaire du négociant derrière encore. Allez, un négociant de plus, si tu veux. Bon, ça se passe. Hein. Ça se passe. Oui, ok, on manque d'électricité. Je vais faire le canal. Je vais faire le canal du Panama. C'est pas Tech qui voulait le faire à un moment donné? Si, mais je me suis freiné. Ça aurait fait un passage trop facile pour toi. Pour changer d'océan. Aucune confiance. Ah, de la lucidité à long terme. Bon, du coup, j'aimerais bien passer ce tour, mais je veux pas vous pousser, chers amis. Bah moi, j'ai déjà passé. Ah ouais. Ah, ces mecs qui se du pognon, là. Qui a une trésorerie à 1226, quand même. Moi, je viens de cramer 7000 pièces d'or, en fait. Mais je fais 876 par tour maintenant, donc ça va. Ah, au fait, mon colon... Ah, un petit puits de pétrole, Tech. Ouais, mais justement, qui c'est qui parle là? Ah non, mais l'Indonésien, il va prendre l'autre puits de pétrole, le dernier, là, je vais le prendre. Hein. Non, mais mec, il y en a 34 des puits de pétrole. Ouais, mais problème, c'est que moi, c'est un peu la dèche, quoi. On va se partager un bout de territoire, j'ai l'impression, Ilarion. Oui, bien sûr. Ouais. Non, oui, tout à fait. Ouais. Ah, moi, j'en trouve ailleurs, mais... Il est où, celui que tu veux prendre, là? Ah bah, il est de mon côté, juste de l'autre côté d'Amcissieux, quoi, un petit bout de désert. Il est pile entre deux de mes villes, il croit qu'il va résister à la pression. Arrête de coloniser comme un lapin. Bah, il faut prendre les villes si tu veux pas que je les prenne. Est-ce qu'il y aurait pas un moyen... Bon. En effet, vu la loyauté à moins 20.
ce que je te disais, hein, c'est tu peux essayer ce que tu veux, mais. Ah, c'est pas possible. Ça y est, Karakoto, punaise. Il faudrait. Est-ce que vous avez des musées archéologiques? Archéologique, je crois que j'en ai pas encore. Pas encore. Ça servait à rien. Mais vu nos villes. Ouais. Christianland, tiens, allez, on a un bonus ici, on y va. Ah non, merde, c'est pas chez moi ici. C'est où chez moi? Je suis loin de chez moi. Hein. Dieu, Dieu. Que je puisse faire des destroyers. Allez, si je fais encore 6 points de victoire, 6 points de d'air là, je passe en air en âge d'or. Ça va être chaud. Il faut que j'en fasse pour pas être en âge. Encore un misclic à la cive. Oh, je te jure. Le petit dirigeable pour aider à conquérir. Ok. Toujours améliorer tout ça, bateau de pêche c'est fait. Agriculture là-bas, on y va. Vingt-six habitants à ma capitale. C'est énorme. Je suis à 21. Bon, ça se fait bien. Oh là, c'est quoi cette mitrailleuse qui passe outre mes défenses? Tire. Bon, allez, avec une seule bombarde, quand même, c'est un peu chaud. Déjà, y aller encore avec de la bombarde, c'est chaud. Vous freine, c'est la fin de l'épisode. Non, 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 là, c'est pas possible. Et non, non, là, tu, non, non, je pense que t'as, non, non, c'est pas possible. Et c'est moche, hein, ça passe. Non, mais une demi-heure comme ça, on voit rien. Ouais, non, 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 non. Allez, on se retrouve au prochain épisode, le temps de sortir les bocs de bière ou les boissons fraîches. Merci à vous, les gars, et la guerre continuera. Salut tout le monde.
Salut. Ciao, ciao. Je pense que plus le temps passe, plus ils nous arnaquent sur le temps. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, hein. Il y a un truc comme ça.